enregistrer mon économiseur écran. C'est pas très difficile. C'est une application, ça coûte 20 balles, c'est rien du tout. Ça s'appelle I Show You, en un seul mot. Tu la lances. Choisir la zone. Non, tu me trompes. Je vais mettre plein écran et non pas une zone particulière de l'écran. C'est bon. Tu cliques sur le bouton rouge. Elle fait 3, 2, et ça c'est parti. L'économiseur d'écran, c'est ça. C'est un canal. C'est un tronçon de 19 km de canal qui va de Compiègne à Noyon. Une région que je connaissais, mais alors, il n'y a pas du tout. Mais ces 19 km, c'est tout un entremêlement. Il y a la route, il y a une route rapide qui double la route, il y a la voie ferrée. Donc c'est, le canal est devenu un axe, c'est le canal latéral à l'Oise. Et puis ce canal doit être élargi. C'est compliqué, des fois ce sera l'Oise, des fois ce sera plus l'Oise. Et ce genre de chantier est accompagné d'un atlas. Atlas sur 19 km, oui, tous les enjeux géologiques, botaniques, socio-économiques, toute l'histoire, qu'est-ce que c'est riche. Et on m'avait demandé de faire la préface. Et mieux que ça, de faire simplement une balade, une déambulation. T'as 19 km, t'as des usines. Évidemment, il y a les bleds, il y a les ponts, il y a les gares, il y a les maisons individuelles, et puis il y a toute cette peau du vieux monde qui ressort, et puis cette lente translation des bateaux. Alors, j'en ai rapporté 1260 photos. Ça veut dire qu'ensuite, toi, tu dois travailler sur le texte, mais pour moi, c'est devenu un petit peu la même chose. Tu entres dans le réel, non pas parce que tu te postes là et que tu le décris, mais que la photo te permet d'entrer en expérience du réel, de venir traverser par un geste, là où toi-même t'es immergé dans le réel, sans compter tout ce que ça provoque, ou le fait que tu vas faire un peu d'urbex aller dans des endroits. Et ce texte, c'était pas facile à le laisser venir. Alors évidemment, il y a des précédents, il y a Bailly, il y a Grac, toujours là, mais... Alors, la fonction économiseur écran, tu peux choisir une sélection d'images. Alors, sur ces 1200 photos, j'en avais choisi, je crois, 90. Alors, il y a plusieurs manières, là, sur le Mac, de les laisser venir. Moi, j'ai juste mis ça comme ça, ces espèces de graphes. Alors, c'est une fonction que j'utilise beaucoup, par exemple, quand je fais des perfs sur Rolling Stones, ou sur Bob Dylan, ou sur Led Zeppelin. J'ai mes dossiers Stones, Led Zepp, et quand je, dans les moments parlés, parce qu'il y a aussi des extraits vidéo, des extraits sons, ben je laisse l'écran en mode aléatoire. Et ben là, ce texte, il est fini. C'est bizarre, c'est ce moment de l'écriture. On n'en parle pas vraiment de ces choses-là. Le moment où tu as un rendu de travail, comme si tu fais un doc, tu vas à Arte, tu fais la projection, là. Ça veut dire que je vais pouvoir arrêter de vivre avec cette sélection d'images. Ça veut dire que dans mon fond d'écran, je vais choisir un autre dossier image à la place de celui-là. C'est ça, les grands événements de ma vie. Bah ouais, c'est ça aussi, les grands événements de ma vie. Je vais faire une petite rubrique, un petit peu de vrac. D'une part parce que là, il y a eu un petit peu du lourd. J'ai parlé de ce livre de Gilles Clément, Traité succinct de l'art involontaire. J'ai juste entrebâillé Roger Caillois, alors que je suis de plus en plus aspiré dans l'intérieur là, de Caillois. D'autres choses qui se préparent. J'ai acheté un drôle de bouquin sur les recommandations d'un ami réseau. Hans Zischler, Histoires égarées, préface de Bailly, édition Macula. Je ne l'ai pas encore touché, mais rien que ce titre,
histoires égarées. Qu'est-ce qu'on fait, nous tous, sinon que ça, des histoires égarées? Des fois, tu gardes le bouquin, tu te dis, le titre est si fort que tu as presque peur d'ouvrir, voir ce qu'il raconte. Je suis en train de lire autre chose aussi, mais ça, je crois que je vais vraiment faire une vidéo dessus. Gérald Bronner. Je lis pas beaucoup de sociaux. J'aime pas les sociaux. Par contre, il y a ceux qui sont plus dans... Alors, est-ce que c'est encore des sociologues ou est-ce que c'est des anthropologues, mais tous ces machins, blog, blog, blog. Moi, je fais du blog et du vlog. C'est déjà pas mal. Mais je pense, par exemple, François Laplantine, de tout petit rien. Passionnant ce bouquin. C'est le cas aussi de David Le Breton dans cette démarche. Ben, là, lui, il travaille sur le cerveau dans les temps avec écran et téléphone. À la fois, je me méfie. À la fois, pour moi, c'est tellement important de savoir ce qu'on fait à l'ordi. Donc, tu te sers de. Tu vas voir. Mais là, wow, c'est intelligent, c'est pertinent. On va faire une vidéo. Et puis, ce qui t'arrive aussi par le courrier, ça, c'était dans la boîte aux lettres ce matin. Alors, il y a même un timbre, « Prenons soin de la terre », tu ne vas pas dire contre. « Les Vanterniers des livres faits main ». Alors, qui m'envoie ça? www.lesvanterniers.com. Déjà, ils ont mon adresse. Wow. Ah, t'oses même pas la balancer l'enveloppe. Enfin, si, mais je... Les gens qui luttent. Livre fait à la main. Qu'est-ce que c'est qu'un livre fait à la main? Il serait cousu, en plus. Ouais. Et cousu de fil blanc? Non, il est cousu d'un fil marron. Des gens qui luttent défilent dans un poème grandeur nature. C'est bien de recevoir ce genre de cadeau. Des gens qui luttent voient par-delà le bien et le mal. Les gens qui luttent créent en secret et se recréent en permanence. Il y a aussi une espèce de feuille repliée dans la couture. Les Vanterniers ont mis en page, imprimé, plié, assemblé et relié le premier exemplaire de ce livre dans leur atelier Audomarois à la Croisée de 2020 et 2021. Ben dis donc, il leur en faut de la place pour raconter tout ça. Cet ouvrage a été publié avec le concours de la région Hauts-de-France. Ah ben, ils ont de la chance, moi. La région de ma région, moi, je ne sais même plus qui c'est. Les Vanterniers, dépôt légal, janvier 2021. Les gens qui luttent se branchent sur une autre réalité. Mais attention, si c'est un tout petit livre comme ça, je vais avoir lu l'intégralité, c'est pas chic. Les gens qui luttent se branchent sur une autre réalité. Oh, Jean-Marc Flau. Jean-Marc Flau, tu pouvais pas dire plus tôt que c'était toi. Bah, merci du cadeau. J'ai toujours... c'est pas que c'est une ambiguïté, c'est que... moi, je fais le choix de travailler avec des produits un peu industriels enfin pour permettre que les livres que j'installe se matérialisent dans la boîte aux lettres de la personne qui les achète. Donc cette démarche-là, je suis maladroit de mes mains. Je ne sais pas me servir d'une perceuse électrique. Je ne saurais même pas, avec une perceuse électrique, faire les trous pour aller coudre des fils de comme ça. Tenez, là, j'ai un trou à ma manche. Il faudrait que je prenne des fils pour le réparer. Des fois, je mets de la superglue, ça marche pas mal, mais là, je crois que ça a déjà recraqué par rapport à la superglue. Donc, c'est pas mon truc, faire du livre à la main. Et pourtant, mon site, je le fais à la main. Et je le fais avec soin. Donc, ça, c'est bien qu'on se dérange réciproquement les uns les autres. Point suivant. Alors, point suivant. J'avais fait une vidéo. Et ça m'arrive, la preuve, vous le savez. Alors, c'était laquelle de vidéo? Je suis obligé moi-même de regarder. Ça s'appelait, c'était dimanche dernier. C'était aussi un autre dialogue, justement à partir de Faulkner sur le statut du sujet dans la phrase et comment contenir la phrase pour que le sujet soit un élément de la représentation et pas
le point dominant de l'énonciation. Donc, quelque chose absolument vital pour moi. J'avais fait cette... Alors, évidemment, tu rigoles un peu de l'Internet qui se prendrait au sérieux. Non, mais t'imagines ! Alors, ça s'appelait « Leçon pour se débarrasser du pronom personnel ». Eh bien, un copain remet ça en partage. Waouh, merci. Puis c'est, moi, j'adore. C'est normal comme ça qu'on se fasse des petits partages. Puis là, un commentaire. François Bon vieillit mal. Eh ben, figurez-vous que vous lisez ça un dimanche matin, après que vous avez bossé comme un dingo sur votre vidéo, et puis que vous, vous croyez, c'est pas ma spécialité l'humour, mais que, quand même, François Bon vieillit mal. Tu veux que je te montre comment j'ai vieilli mal? Je vais me vieillir. J'enlève mes lunettes. Je mets du vieux de par-dessus la tête. Et je me remets mes lunettes. François Bon vieillit mal. L'animal. Je l'ai mal pris. J'ai mis un commentaire sur le truc du copain. Je dis, cette dame, pour savoir que je vieillis mal, on a dû se rencontrer autrefois. Oh ben, je ne sais pas ce qu'elle a écrit à mon copain, parce qu'elle a du mal le prendre elle aussi à son tour. Et le copain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré effacer son poste. Plus de problème. Et après, vous gardez ça. C'est-à-dire, il y a deux choses. La chose, la première, c'est dire... Pourquoi, c'est pas du troll, mais pourquoi cette capacité d'agression? Pourquoi cet a priori de l'agression? Là, t'as du mal à comprendre. C'est-à-dire, si tu te croises dans la rue, on est dans la rue commerçante, on fait chacun nos courses, on est dans une librairie, et puis la personne que tu ne connais pas, tu vieillis mal. Il y aurait une étiquette de politesse sur le web où on doit encore gagner. Alors moi, évidemment, maintenant, il n'y a plus cette politesse. Allez, du chemin. Puis il y a l'autre élément. Ben oui, tu vieillis. Pas faire la liste de ce qui se passe dans les intérieurs de toi parce que tu vieillis, ni dans les intérieurs de ton crâne parce que tu vieillis. Ni la force qu'il faut que tu ailles appeler en permanence pour retrouver ce qui, peut-être autrefois, vlam, surgissait, splash. Est-ce que précisément de recourir à cette fragilité de la parole, de se dire « j'y vais quand même avec mon corps, là, dans la vidéo », est-ce que c'est pas ça aussi? Le vieilli, j'ai toujours dit « pourquoi je fais plus que ces vidéos ?» Ce qui n'est pas vrai, parce que je suis dans un bouquin. Ben, c'est... Tu es dans ton testament. Tu fabriques ton outre-tombe. Mais c'est ça juste par contre qui est dommage. Alors, qu'est-ce que vous en affiche de commentaire Facebook, François Bon vieillit mal. Mais après tu le gardes quoi. Et c'est pas bien. Bon alors, tant pis hein. De toute façon, on m'étonnerait qu'il revienne en voir une vidéo. Elle l'avait dit, j'ai même pas pu voir sa vidéo jusqu'au bout. Tu crois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos jusqu'au bout? Quelque chose qui m'a beaucoup plus fait plaisir. Et pourtant, quand j'ai cliqué, j'ai dit, tu cliques ou tu pas cliques? Tu cliques ou tu pas cliques? Simplement, le gars, j'avais confiance. Qu'est-ce qu'il a fait? J'étais en train de travailler ces histoires d'atelier d'écriture. J'aimerais explorer cette question-là, qui pour moi, c'est tout l'univers de Kenneth Goldsmith, là, quand j'ai traduit son Uncreative Writing, l'écriture sans écriture. Eh bien, justement, on avait posé ça. À quel moment tu restes écriture? Alors, l'écriture sans texte, ouais, fastoche. Mais littérature sans texte. Alors, littérature hors du livre, là, maintenant, waouh, c'est tout le monde. Mais littérature sans texte, avec Derek Beaulieu, Christian Buck, je voulais qu'on ouvre un petit peu cet atelier, juste l'ouvrir, l'effleurer. Et qu'est-ce qu'il me fait, ce gars? Il m'envoie un lien SoundCloud. Alors SoundCloud, vous savez, c'est juste une plateforme audio, podcast, etc. C'est une autre question, je vais y revenir bientôt. Et quand j'appuie, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris la page internet avec le sommaire de mes vidéos. Quelque chose comme ça. François Bon, vidéo,
Il y a évidemment les petites miniatures qui s'activent, mais il y a les titres qui, eux, sont dans une rédaction sémantique. Et il avait installé, alors est-ce qu'il avait grossi, est-ce qu'il avait fabriqué une réduction de fenêtre, je ne sais pas s'il avait fait quelque chose comme ça. En tout cas, il avait mis ça en voix synthétique. Vous avez ça maintenant sur tous les logiciels, même là, effectuer une recherche vocale. Enfin bon, moi je ne suis jamais trop intéressé à ces trucs, mais tout d'un coup, il y avait une voix synthétique féminine, une voix robot, une voix analytique, une voix informatique qui s'est mise à lire du roman adulte, intervention prodigieuse et écrire dans la réalité du peintre avec Jean et Lyon, du glauque dans l'amour, Edgar Poe et Morella. De si les auteurs gagnent trop de sous avec leur... Là, bon, c'est du jeu. Puis, tu aurais pu te dire, tiens, le gars, il aurait peut-être pu faire ça avec les vidéos de quelqu'un d'autre. Mais tout d'un coup, ce qui m'a pris, c'est... moi, je fais une chronique quotidienne. Donc, évidemment, je sais que de quelque chose à dire de Julien Gracq, ouais, mec, t'avais fait ça il y a une dizaine de jours, tu venais de lire ça, donc tu peux retrouver Pomme F, et puis tu vas retrouver la vidéo Julien Gracq tout de suite, je l'ai indexée sur mon site. C'était devenu une sorte de marche arrière, tu reculais dans le temps. C'est-à-dire que tout ce que j'avais pu faire depuis un mois, depuis deux mois, depuis trois mois, et sa vidéo, il l'avait laissé faire complètement, il avait dû laisser faire son ordi la nuit, il y en avait une heure et quelques, bon, j'ai pas écouté au bout. Moi non plus. Une heure et quelques de vos titres, et c'est tout simple, j'avais l'impression que c'est ta propre vie qui s'était détachée de toi et qui s'en allait, et toi, tu passais en arrière avec cette espèce de gros jet d'eau qui envoyait tout ce que tu avais fait, dont tu te souvenais avec précision au moment où c'était dit. Mais tu n'aurais jamais pu refaire ni un ordre, ni un classement, ni une date. Ça, c'était une drôle d'expérience. Alors, il m'est arrivé une autre chose aussi. Depuis un mois, je m'astreins. Cette vidéo-là, elle est à la frontière. C'est-à-dire, elle est sur la chaîne principale. Elle pourrait être sur cette petite chaîne réservée. Vous voyez, cette François Bon, il vieillit mal. Ben justement, au moins, si on a notre petit espace à nous, réservé, comme ça, t'en es débarrassé. Et sur cette chaîne, je m'astreins à ce qu'une fois par semaine, je fais le point avec moi. Là, je le fais, mais je le fais sur des questions liées au travail, liées à ses interfaces, liées à la machine. Donc, je le laisse dans le moment public. Mais tous les matins, je suis dans une écriture. Ce journal hebdomadaire, réservé à ce que j'appelle le salon, le lien dessous, c'est lié beaucoup au making-of. Comment t'écris, qu'est-ce qui arrive, c'est quoi les obstacles, il se passe quoi dans ta tête, qu'est-ce que ça te donne sur les logiciels, etc., etc., etc. Et je crois que c'est lundi matin, je fais mon heure d'écriture, parce que je l'avance linéairement en ce moment, sans relire ce qui s'est passé la veille, ce sera ultérieurement. Tu avances le front de sape, le front de taille. Et juste au bout, là, il me vient une idée. Et cette idée... C'est-à-dire, est-ce que je la note dans Ulysse pour quand j'enregistrerai le petit journal de synthèse ? Et non, simplement j'ai pris l'appareil, ce qui m'était à la main. Je crois que je l'avais posé là, sur le petit GorillaPod, donc à quelques dizaines de centimètres, fixe. Et puis je commence à dire, là, juste tout près de l'ordi, ayant fini mon boulot du jour... Cette question, puis ça commence, et puis ça ouvre à une autre question. Donc j'avais fini, non, je le reprends. Et là, j'avais posé l'appareil ici, sur le bureau, mais très proche, pas la caméra là où je m'adresse au loin, où ça te donne, non, tout près, dans ce rapport hein, plus intime. Là. C'est pour ça que j'aime bien ce petit objectif, là, de petit Olympus. Une autre question, puis après... Une troisième. Donc j'avais trois petites vidéos, une longue, disons, et puis deux courtes. C'était sur la carte SD de l'appareil. Et il m'est bien venu l'idée de dire, bon, est-ce que tu le recopies sur ton disque dur ? Et il y a toujours cette ambivalence du web qui n'est pas d'être... négligent par rapport à ces sauvegardes, c'est que tu transfères sur le web comme une notion de risque. Tu te dis, ben,
si je veux continuer ce petit journal et que chaque jour j'en rajoute une toute petite couche, il faut que ça reste dans la carte et puis que ce soit seulement le dernier jour que je le décharge dans le disque dur et que je l'importe dans mon Final Cut. Puis tu te dis, enfin bon, c'est des choses que je fais tous les jours. Il y avait toujours une petite alerte orange. Attention, tu risques de l'effacer. Attention, tu risques... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé avant-hier matin? Évidemment, j'avais enregistré la chronique sur le livre Wikipédia. J'avais enregistré l'atelier d'écriture. Et la carte, elle est pleine. Alors, tu appuies sur formater, effacer. Pam! À mesure à quelle elle était même pas encore effacée, que je disais « Merde, mes trois petites vidéos journal d'écrire. » Pourquoi je raconte ça? Parce qu'en soi, moi j'ai toujours ce principe de... C'est Rabelais, je crois que c'est dans le chapitre « Paroles gelées » du quart livre. Quand il ramasse ces choses-là qui fondent, vous savez, il les réchauffe et semblait dragées perlées de diverses couleurs. Et quand elles fondent, elles sont ouïes. Et puis, Panurge qui dit à Pantagruel, mais ne faudrait-il pas prendre un petit, les envelopper de feutre, et puis les conserver pour les entendre longtemps, longtemps. Et Pantagruel qui dit à Panurge, mais vendre parole, c'est acte des avocats, pourquoi faire provision de ce dont on a à volonté? Alors, tant pis. C'est au point que j'ai du mal à même à me souvenir, parce que quand t'enregistres, aussitôt, t'as une espèce de vide qui se fait. C'est-à-dire que tu as enregistré, t'as plus besoin de t'en souvenir. C'est-à-dire que je sais même plus ce qu'il y avait dans ces trois petites vidéos. Est-ce que c'est grave? Non. Si j'en parle, c'est juste parce que, aussitôt, je suis parti dans l'ordi, et puis j'ai entré dans ma recherche Google, récupérer, fichier, effacer, carte SD, Mac. Aussitôt, une liste, et je tombe sur un logiciel, Wonder quelque chose, que je ne connaissais pas. Je l'ouvre, et ça m'a bien pris 20 minutes, avec le logiciel Moulinet, 40%, 50%, 70%, mais tout dès le début, la carte ayant été reformatée, je vois apparaître trois fichiers .move avec, disons, le même repère que je suis habitué à voir quand j'enregistre 940, 715, choses comme ça. Et puis ensuite, d'autres fichiers, mais ça, la carte, je n'avais pas réenregistré dessus. Alors au moment, et ça, j'ai été littéralement soufflé. C'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui des logiciels capables de récupérer. Je sais qu'une fois, j'avais 2-3 ans, j'avais essayé ça aussi, et ça m'avait donné absolument n'importe quoi. Et bien là, les trois fichiers réapparaissaient impeccables sur le bureau de l'ordinateur. Après, évidemment, c'est-à-dire, tu as un tout petit message, vos fichiers sont prêts à être récupérés, veuillez les transférer sur votre ordinateur. Donc tu prends, tu fais glisser, et puis là, tu as un petit message pour transférer les fichiers sur votre ordinateur, mais j'avais pu vérifier, c'est-à-dire tu peux les visualiser, c'était intact. Et si tu veux les récupérer, là, il faut que tu actives. Alors c'est le dilemme, c'était, ils se mouchent pas du pied les gars, 79€ par an. Bon, alors est-ce que dans la mesure où je ne vais pas répéter la même erreur plusieurs fois par an, ces trois petites vidéos méritaient que j'investisse 80 balles pour les récupérer? Je me suis dit, non, pas du tout. Je ne l'ai pas fait. Bon, au revoir les petites vidéos. C'est intéressant mon histoire? Pas totalement intéressant, simplement, peut-être par l'inquiétude ou l'angoisse que tu peux... Qu'est-ce que tu as mis là que tu ne pourras pas retrouver? Ceci existe, je le pose, il reste là. Je refais l'expérience en soufflant dessus. Ceci existe, je souffle là, je le pose, et toc, il n'existe plus. C'est ça, cette sorte d'angoisse. Une réalité qui devient précaire. En tout cas, je vous l'assure, ces logiciels ont fait un sacré progrès.
Je vais finir ce vrac par un tout dernier petit point. Cette semaine, j'ai lu le livre de Rémi Matisse, parce que ça concerne Wikipédia, c'est fait de l'intérieur par un gars qui est un balèze de la pensée web, un balèze aussi de la pensée bibliothèque. Donc, grande confiance. Et notamment ce chapitre où il dit « Est-ce que Wikipédia est la nouvelle Légion d'honneur ?» Puis là, j'ai raconté ce moment où j'avais tenté, moi, de faire... d'entrer des articles sur des écritures numériques, mais qui me semblaient importantes, et puis que... Non, ils n'ont pas d'article dans Le Monde. Et pour cause. Et j'avais été amené à dire que non, moi, je ne regardais jamais ma page Wikipédia. En tout cas, je ne la corrigeais pas. Une seule fois, parce qu'il y avait vraiment des contenus diffamatoires, et que je n'étais pas la seule victime d'une personne qui était... éjecté, bon, ça arrive. Mais en gros, je suis toujours surpris parce que je vois que ma bibliographie, le petit livre là, Où finit la ville de la résidence sur le lac de Grandlieu, bien, quelqu'un de chez Wikipédia l'a rajouté à ma bibliographie longue comme ça, même si, ah oui, il fait un site tiers livre, bon, ça tient en une ligne, c'est pas grave. J'ai dit, tiens, va donc y voir sur ta page Wikipédia. Et ce qui m'a surpris, par exemple, c'est qu'il y a très longtemps, enfin, chaque fois quand j'y passais, il y avait une photo. Alors, c'est vrai que c'est un peu la maladie dans notre pays. Tu as toujours la photo officielle de l'auteur. Et c'est des photos qui sont libres de droit. Dès que tu sors un livre chez un éditeur, tu as une séance photo... C'est des arrangements, le photographe, il vend, des fois même, il demande un peu l'exclusivité, ensuite, il vend ses photos à Libération, aux journaux, mais pour le catalogue de l'éditeur, pour les lectures en librairie, tu as une photo libre de droit. Alors, c'est des photos souvent qui prennent un petit peu de recul par rapport à François Bonvier, Himmel. Mais il y avait toujours eu une de ces photos-là. Moi-même, sur mon site, il y a des photos en bonne résolution qui sont disponibles ben, quand tu fais une lecture, quand tu fais un truc. Et ben, la photo avait disparu. Est-ce que c'était pour des questions de droit ? Certainement pas. C'est des photos qui sont faites pour ça. Photos de presse. Mais là, tout d'un coup, tu te mets à penser. Il y a un type qui est venu sur ta page qui a ouvert le back-office et qui a dit « On va lui supprimer sa photo. Il n'a pas été sage. » Alors évidemment, je n'ai pas du tout poussé pour aller chercher. Souvent, c'est des pseudonymes, d'ailleurs, tu n'as pas accès. Non. Mais qu'est-ce que c'est de se lever le matin et dire « Je vais aller voir sur Wikipédia et je vais supprimer des photographies. » Alors, est-ce que c'est le même ? J'ai lu... Ça tombe bien, j'ai toujours mon enregistrement écran. On va y aller y voir. On va chercher François Bon Wikipédia. Pom. Image manquante. Une illustration sous licence libre serait la bienvenue. Ben justement, il y en avait une. Est-ce que c'est gênant ? Non, parce que regardez, si je fais François Bon tout court sans Wikipédia, bam, après, je clique sur « Images », bam, est-ce que ça manque ? Ben, vous voyez, libre de droit, 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 ben oui, ça c'est moi qui l'ai fait dans un chiotte de TGV, etc., etc., etc. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a mon homonyme numéro 1, bam, bam, François Bon, salut. François Bon toujours, et maintenant au hit parade on est bon. Par contre, il n'y a pas trop les autres, parce qu'on est 8 François Bon repérés. Il y a même Hemingway. Oh là là, j'avais osé traduire Le vieil homme et la mer. Mon autre François Bon, mon autre François Bon. Mais il y a un autre, il y a le François Bon politique. Il y a, bon, ça suffit. Et que je ne suis pas en déficit d'images sur Internet, et pour cause. Alors si je regarde Wikipédia, formation et début professionnel, œuvre littéraire, laissons tomber, ça ne sert pas.
grave. C'est très impressionnant qu'il y ait des gens qui prennent le temps de faire ça. Atelier d'écriture, bam, bam. Alors, ce qui m'a surpris, il y a des choses qui ne sont pas actualisées. Là, ça fait 2 ans. En septembre 2013, il intègre l'équipe d'enseignants de l'École nationale supérieure d'art de Cergy Pontoise. C'est pas vrai, ça ne s'appelait pas Cergy Pontoise. Pour la création littéraire et le lancement d'un studio d'écriture, il y enseigne toujours l'écriture créative. Ben non, François Bon vieillit mal. Hein, il n'y enseigne plus. L'auteur utilise les médias numériques et traditionnels pour explorer le genre de l'écriture. Le genre. Au singulier. Il aurait trouvé, conditionnel, dans le médium numérique une façon d'expérimenter qui permette de donner un vrai point de vue. Parce que si t'es pas dans le médium numérique, c'est un faux point de vue sur le réel. Alors, vous voyez, ça grignote un peu dans la choucroute, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est pas toi qui le fais, tu vas pas demander de préciser, tu vas pas argumenter, c'est toujours au contraire. Moi, je pars d'un principe, s'ils le font, c'est de la bonne volonté. Sur son site, virgule, le lecteur a accès à des œuvres autant éclectiques que conventionnelles. Là, ça m'a carrément scié. Là, je suis éclectique. Et là, je suis conventionnel. Vous préférez lequel ? L'éclectique ou le conventionnel ? Et là, c'est là où tu te dis, mais le mec, il se lève le matin, il dit... Je vais aller dire sur sa page Wikipédia que ce qu'il fait, c'est conventionnel ou éclectique. Puisque François Bon s'attarde, et c'est pour ça que je vieillis mal, je suis un attardé, à explorer toute la diversité. Si t'es pressé, t'explores pas. Mais si t'es pas pressé, tu peux explorer. S'attarde à explorer toute la diversité des options d'écriture, l'utilisation du lien hypertexte. Wow, quelle révolution en 1975, le lien hypertexte comme extension significative et signifiante du texte. Note 11, c'est une citation de mon copain Bertrand Gervais et Alexandra Semmer. Merci Bertrand, merci Alexandra de nous avoir donné cette définition du lien hypertexte et de me l'avoir offerte. Extension significative et signifiante du texte, ainsi que le détournement des formes traditionnelles associées au discours numérique. Assieds-toi par là-dessus. Peu importe, franchement, l'important, je vous dis, c'est ça. C'est que si tu cherches François Bon, le tiers-livre passe avant Wikipédia. Ouf, je suis sauvé. Et en position 3, il y a moi sur YouTube. Et donc, Wikipédia est bien dans le sandwich, et puis ensuite, tu as les vidéos, etc., etc. Donc, tout va bien pour moi. C'est ce que j'avais tenté d'expliquer. Qu'est-ce que c'est important pour les collègues auteurs de se dire, rester maître de sa présence sur... Parce que c'est quoi le charabia Wikipédia ? Et là, en continuant à lire un peu les interviews de Rémi Matisse, il y avait cette question-là. C'est-à-dire, lui, une question grave posée par le bouquin, c'est-à-dire que c'est un peu comme tiers-livre, d'ailleurs, je le concède, c'est des sites fossiles. Alors, précisément, en venant dans la vidéo, dans le flux, tu échappes peut-être. Est-ce que c'est une chance ? J'en sais rien. C'est pas à moi d'en décider. Mais le site ne peut plus exercer pour moi la même fascination qu'il avait quand je l'ai créé en 2005, il y a 15 ans, ou en 1997, mon premier site, on peut même aller le regarder ensemble. On va faire un tiers livre, là je suis chez moi, et je prends le mot pionnier parce que je sais qu'il est dans le titre. Où en sont les pionniers du net ? Et ça, c'était la copie écran de mon premier site web, 5 décembre 1998. Enfin, en tout cas, c'est la plus ancienne que j'ai conservée. Et ce qui est fascinant dans le livre de Rémi, c'est que la fin, c'est sur ce qu'ils appellent Wikidata. Et si la richesse de Wikipédia reposait dans ses données, pas dans ses textes. C'est-à-dire que le contenu de Wikipédia, qui est un contenu fixe, stable, épaissi, plein de cicatrices avec ces choses-là, avec ces trucs conventionnels, et puis je te vire la photo. Mais si au contraire, ça utilisait l'espace des requêtes, je me renseigne sur ça.
pour fabriquer des espaces qui, depuis les roquettes, pour fabriquer des affichages et des réponses qui organisent dans toutes les langues, dans tout le web, des appels de données qui ne sont plus liés à cette rédaction sémantique. Et quelque part, à ce moment-là, tu as un outil qui peut être plus fort que Google, qui cherche avant tout à organiser une hiérarchie, parce que ça, Rémi Matisse en parle très bien, c'est le premier lien qui compte, et puis si vous êtes là sur un téléphone, il n'y a pas les... Là, si j'ouvre la page web, c'est toute une palanquée de liens par ordre d'après eux décroissante, mais si j'ouvre le petit téléphone, il n'y en a plus que 3 ou 4. Et évidemment, là, en ce moment, Wikidata est en train de prendre, de manger de l'intérieur Wikipédia. C'est-à-dire, est-ce que Wikipédia peut survivre ? Ce qui est totalement étrange, c'est que ce soit Rémi Matisse qui pose la question. Et là, il donnait des choses. C'est-à-dire, Wikipédia, aujourd'hui, il dit, il y a encore 1000 personnes qui continuent d'alimenter. Et vous voyez, dans ces 1000 personnes, alors j'en connais des super. J'en connais au moins deux. Poitiers, Strasbourg. Waouh ! Oui, il y a des choses magnifiques qui se font dans... Mais qui se font dans une chose ancienne. Et Rémi Matisse qui disait, c'est que à 1000 encore, ça va. Si on descend et qu'on frôle les 500, tout s'écroule. C'est là-dessus que je m'arrête. Pourquoi je fais ce boulot, là, sur le web ? C'est faire de la pub à ce bouquin-là ? Non, faire cette édition, ils n'en ont vraiment pas besoin. Et passer sur BFM et tout un tas de trucs. Ça va bien. C'est que moi, je me mets en mouvement par ces choses sur lesquelles je m'installe dans une interrelation et que cette interrelation, on l'installe en triangle par le partage ou dans le partage. C'est conventionnel, ça ? Moi, je vous le dis, François Bon vieillit mal est une assertion fausse. Quand bien je vieillis quand même. C'était le vrac du dimanche. À la prochaine.